J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, Jules, bien. Bon, allez, on y va. On va voir les petits messages. Ok, d'accord. Le moins droit pour toi. Allez, on y va. Alors, dis quoi? Donc, j'ai ça. Okay. Alors, ensuite, j'ai ça. Alors là, on parle d'une offrande. Ouais, offrande, cadeau. Ok? Ah, quand on dit cadeau, il y en a, ils sont très terre à terre. Donc, eux, les très terre à terre, tout, quand c'est des cadeaux matériels ou autres, que ça soit dans le bon ou le mauvais sens, il y en a qui sont convaincus que, comment dire, que ça n'a rien à voir avec le divin. Mais si. Tout ce qui t'arrive depuis le premier jour de ta naissance jusqu'à un que tu ailles au ciel, c'est là-haut. Hein. Il n'y a pas de hasard. Non, ça n'existe pas. Mais vous savez, il y a des. Une. Il y a deux espèces d'hommes et de femmes sur Terre. C'est. Eux, ils croient que, comment te dire, comment vous dire, comment ils vont vous expliquer ça là-haut, que par exemple, si tu rates un train, c'est que ben, tu rates le train. Que ça soit dans le bon, peu importe ce que tu vas faire. Ils sont convaincus, non, que ça n'a rien de divin. Pourtant, c'est Bouddha. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas toi qui. Non. Mais voilà, vous avez deux espèces d'êtres humains sur la Terre. D'ailleurs, dans le monde entier, qui pour eux, je sais pas, par exemple, écoutez, alors attendez, tu dois te rendre, tu dois rendre visite à quelqu'un, ok? Et, tu as oublié un truc. Par chez toi. Hein? T'es sur la. Oh putain de merde! J'ai oublié ça! Un cadeau. Allez, tu te dis, bon putain, je fais quoi? J'y vais sans le cadeau? Ah mais bon, si je vais sans le cadeau, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu retournes chez toi. Ok? Tu dois prendre, par exemple, un train. Ou un avion, ce que tu veux. Putain, ben, en fait, le temps que tu. Ah oui, tu as mis pour retourner ou tu vas chercher le cadeau, j'ai. Ah, bing, tu rates le service public que tu avais réservé. Ah, mais c'est pas un hasard. Non. Non, c'est pas un hasard. C'était pour te faire comprendre. Que déjà, oh là là, 5 minutes, parce que là, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. À la maison, allez. À la maison, vous me déconcentrez. Je peux pas. Non, 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 je peux pas. Ça me coupe tout. Alors, déjà, je vois. Homme, femme, vous savez pas qui me regarde. Qui devait. Aller voir une personne. Mais c'est bizarre. Parce que ce genre de terrain, ouais, de terrain, est très organisé. Très organisé. C'est des hommes et de femmes qui ne laissent rien au hasard. Écoutez, rien au hasard. Si, je sais pas, ils doivent aller. Moi, je sais pas. Voir un ami. Ah, ils auront tout prévu avant. Ce genre de truc ne peut pas leur arriver. Non. De la famille aussi, ce genre de truc ne peut pas leur arriver. Non. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Ah, ben, il y a eu quelque chose. C'est le cadeau. Le cadeau qu'on voulait offrir à un humain.
ne devait pas être chez lui ou elle. Non. Il devait être ailleurs. Ou, moi j'aurais déjà chez quelqu'un d'autre. Ou, là déjà, je dirais au travail. C'est sur le lieu du travail. Ah, c'est, ah, mais c'est pas chez lui ou elle. Non. Du coup, avait tout prévu et a oublié son plein de cadeaux. Ben, pour l'offrir à un homme ou une femme. Du coup, ça me va, machin. Oh putain, le cadeau! Mais, par rapport à son lieu de vie, de vie, et où est le travail, à mon avis, ça devait faire beaucoup de route. Mais, j'ai dit, je peux y arriver, ouais, je vais y arriver. Et, raté, son départ. Ah, mais si. Parce que c'était un homme ou une femme qui ne pouvait pas garder son cadeau à la maison. Donc, l'avait laissé au travail. Ah, mais si. Résultat des courses, a loupé ou un train, ou un avion, ou un bateau. C'est. Du coup, dépité, avait bien son cadeau, mais avait loupé le départ. Alors, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, je vois, s'il n'y en a pas un autre. Ah ben, notre bateau, notre. Ce que tu veux. Mais le problème, attendez. Comme c'était. Quelqu'un qui avait dû le réserver bien avant, au niveau des prix, putain, ça devait plus être pareil. Du coup, c'est quelqu'un qui est rentré chez lui. Ah ouais, d'abord, il a ramené le cadeau au travail. Donc, ça veut dire que c'était un truc qui ne devait pas rentrer chez lui ou elle. Je vous le dis. Ah, mais c'est sûr. Donc, c'était quelqu'un qui comptait aller voir sûrement un être cher. Mais putain, ça lui a coûté cher. Hein. Ah ben du coup, il est re-rentré chez lui. Mais d'abord, a ramené le cadeau sur le lieu du travail. Ah mais c'est pour être sûr que, en tout cas, chez lui, on n'allait pas tomber sur le cadeau. Ah mais c'est. Ah ben vous savez, ah mais c'est. Voilà. Ok. Ça devait être quelqu'un qui devait tellement être content d'aller voir quelqu'un. Qui en a oublié le cadeau. C'est que lui ou elle voulait lui faire. Ah, mais c'est. Du coup, par contre, moi, pour aller où il voulait aller, c'est. Ah, ben il a dû mentir, le mec ou la nana. C'est. Moi, je me demande ce qu'il a fait, le mec ou la nana. Ah, ben. Menti, c'est la mentir à quelqu'un, c'est sûr. Du coup, ah ben, à moi, ah ben, à dire, mais putain, j'ai raté mon train, une embrouille, je t'en loupe, et vas-y que je t'endors. Ah, mais c'est, mais vous inquiétez pas. Ah, mais c'est parti remise, c'est, hein, c'est, mais cette fois, n'oubliera pas son cadeau. Non. S'arranger autrement. Ouais, ben attention, peu importe qui c'est, puisqu'on ne veut pas le montrer, elle ne tombe pas dessus. Ah putain. Donc, je sais pas, c'est quelqu'un qui, pour moi, voulait rendre visite à quelqu'un. C'est surprise. C'est. Ah, mais c'est. Ah, ça peut être autant un homme qu'une femme. Hein. Ah, ben ça. Et je pense que. Ça faisait long, un moment que cette personne a voulu voir quelqu'un. C'est. Ah ben, doit être dégoûté. Ah, mais dégoûté d'une force. Ah, mais c'est. Et a dû refaire. Ah ben, reboucher le chemin. Avait oublié quelque chose. Ah, mais c'est. Du coup, dégoûté. Depuis. C'est un mec ou une nana qui est dégoûté.
Ah, mais c'est. Ça lui a coûté cher d'oublier son fameux cadeau. Ah putain. Ah bah si c'est un mec, c'est pour une femme. Vraiment. Et ça peut être une femme. Bon. Moi, pour moi, c'est un mec. Moi, après, bon, il y a les homos, hein, donc adaptez-vous. Hein. Ah, moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Ah non, désolé, hein, moi, je peux pas dire, ah ben, il y a une lesbienne qui a oublié son cadeau. Ah, pour une autre lesbienne. Ah, il y a un homo qui a oublié le cadeau pour un homo. Ah, ben, ah, il y a un hétéro qui a oublié le cadeau. Non, 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 parce que là, ah ben là, je suis qu'au début de l'histoire. Hein. Ah là là, mon Dieu. Mais vous vous rendez même pas compte, hein, de ce que vous dites. Hein. Non, non, non. Donc, ben, vous avez qu'à vous adapter, hein. Mon Dieu. Ouais, mais ça, Gérald, c'est des mecs et des nanas. Hein? Vas-y. Ah, bah, si ça, hein? Franchement, si c'est une cartoum ancienne, bah, zéro, là, pour moi. Oh, putain. Oh, putain. Si, ou alors, une de mes jo... Oh, putain, là, pour moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et bon. Même pas de quoi il parle. Ah, putain. Mais imagine, là, j'en suis à une, deux, trois, quatre. Mais si. Ah, mais après, il faut que je réadapte. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va pas ou quoi? Ah, mon Dieu. Ah, non, je peux pas savoir vous adapter. Hein. Ah, là, là. C'est un truc de dingue. Bon, bref. Mais, quoi qu'il en soit, que ça soit des hétéros ou des gays, en tout cas, il y a un mec ou une nana, ah, c'est, qui voulait aller voir quelqu'un. Ah, mais c'est. Mais, attendez, en plus, manque de bol, c'est moi, c'est quelqu'un en plus, qui ensuite, aurait sûrement loué ou une bagnole, aurait pris un taxi. Ah, ouais, mais. Moi, ce qui est bizarre, c'est que me demande si c'est pas quelqu'un qui a un deuxième téléphone. Et au niveau de l'adresse de la nana ou du mec, et le numéro de téléphone devait être dans un autre téléphone. Un manque de cul. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait oublié, oui, son chargeur aussi. Je vous le dis. Ah ben bah, du coup, ils se sont jamais revus. Enfin, ils se sont pas vus. Ah ben non. Mais que ça soit un mec ou une nana aurait aimé énormément. Depuis, ils se sont plus jamais revus. Ah attendez, ils se connaissent. Ils se connaissent. Et plutôt bien. Alors, est-ce que ah, on va rigoler. Est-ce que ça aurait fait plaisir de voir ce mec ou cette nana en face? C'est bizarre. Putain, je me demande si ça n'a pas deux. Ouais, ou deux mecs ou deux nanas. Les mêmes idées. Bah, oui, ouais. Très plaisir, mais l'autre, je ne pense pas. Non, elle, c'est sûr. L'autre, je doute. Ah non. Oui. L'autre, je ne pense pas. Non. Non, le. Ah non, elle, c'est sûr. Elle lui aurait sauté au cou. Trop contente. L'autre, non. Ah non, je pense même choquée. Choqué. Hein? Je crois pas que ça lui aurait fait plaisir. Non, que ce soit un oui, sûr à 1000%, l'autre pas. Non! C'est deux mecs ou deux nanas qu'on connaît. C'est alors un moins longtemps, l'autre plus vieux. Mais il y en a qu'un, ah, si qu'on aurait été. Ah, aux anges. Alors, tu l'aurais même pas laissé rentrer chez toi. Ah, pour te dire. Ah, non, non, non. Je te le dis. Tu aurais sauté au plafond.
Hein? Je vais même dormir chez toi. Ah, mais l'autre, tu l'aurais laissé à la rue. Pour te dire. Ça n'aurait pas du tout été les mêmes réactions. Mais il y en a deux pour moi. Mais ce qui est bizarre, moi, je suis pas très sûr que c'est du hasard. Ah, je sais pas. Moi, ces deux mecs, je pense que ou ces deux nanas, tu les connais. Elles auraient sauté au plafond et elles auraient été dégoûtées. Ah, mais ce qui est bizarre, c'est que. Je sais pas. Je me demande. Celui que tu aimes beaucoup, s'il n'était pas au courant de certaines choses que tu ne savais pas, non, concernant un autre gars ou une autre nénette que tu as connue. Moi, me demande même s'il n'a pas contacté sur les réseaux à une époque. C'est un mais de ne pas te parler, de ne pas te voir. Ah, sûr. D'ailleurs, me demande même si toi, tu lui avais pas parlé, mais sous un pseudo, lui, si c'est un mec, c'est que tu as bien connu, qui a dû te parler, mais avec un pseudo de femme. C'est... Et moi, il a su qui c'était le gars. Je pense qu'il a contacté. C'est de ne plus te parler. De. Ben rien en fait. Ne plus venir. Qu'il ne voyait plus que vous vous voyez. Et surtout pas de rapport sexuel. Ouais. Mais c'est. Je pense que c'est un ex à toi. Avant l'autre gars. C'est. Au début, il ne devait pas y croire. Mais crois-moi qu'il a convaincu. Donc alors, ah ben c'est. Je pense qu'il y a un ex à toi qui a fait peur à un mec que tu appréciais énormément. En tout cas, que ça soit un autre gars ou une nénette, on l'a fait flipper sa race. Mais c'est de ne pas venir te voir, de ne pas parler avec toi, pas de rapport avec toi, d'aucune sorte. En tout cas, il y a un homme ou une femme qui a contacté si l'homme que tu avais dans le cœur. Si à ton insu, évidemment. Si tu ne l'as jamais su. Que ça soit un mec ou une nana, c'est dégueulasse. Et que ça soit un mec ou une nana, c'est quelqu'un que tu connais. C'est dans la vraie vie. C'est dans la vraie vie que tu as déjà vu dans les yeux à yeux. Ouais. Par contre, ce qui me dérange, c'est que... Bizarre, hein? Pour moi, tu n'as... Non, ça peut pas être un ex, en fait. Non, je suis désolé. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour ton ex. Auprès du mec ou de la nana que tu as dans le cœur. C'est... Donc, c'est une usurpation d'identité. C'est... Si tu es une femme, eh ben c'est une femme. C'est que tu connais bien. C'est avec un faux profil qui s'est fait passer pour ton ex. C'est et qui lui a en gros a ordonné bah, de ne plus te parler, plus du tout. De plus de pas vous voir. Je te le dis. Mais moi, bon, moi si tu es une femme, c'est une nana. Ouais. Une nana qui ne supportait pas le lien que tu avais avec ton chéri. C'est et elle était tellement envieuse du lien que vous avez
Même des cadeaux par la poste, il fallait plus en faire. Ah, mais écoutez, sais pas moi, ton anniversaire, Noël, ce que tu veux, Saint-Valentin, non. Ah, écoutez, je vous le dis, ah, c'est une nana que tu connais bien. Ah, bien, bien, bien même. Plus que bien. Donc elle est odieuse. Ah, mais si. Ah, mais si. Et je pense qu'il n'en a pas tenu compte. Elle est allée plus loin. Je me demande même si il n'avait pas l'intention de te dire que une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle à t'annoncer. Évidemment, qui te concernait, lui et toi. Je pense qu'il voulait demander à quelqu'un que tu connais bien une forme d'accord. Et pour moi, cette personne lui a dit que tu avais recommuniqué c'est avec ton ex le trou duc. C'est que il t'avait recontacté. C'est et que vous alliez vous remettre ensemble. C'est un ex que tu haïs en plus. Ah putain, du plus profond de ta chair. Ah putain. Moi, elle jouait deux rôles. C'est deux visages. Ah mais c'est. Donc elle avait deux profils. Son vrai, quand elle lui parlait à lui. Et le profil où elle s'est fait passer pour ton ex. Mais je te le dis. Une pauvre tarée. En plus, elle-même déjà, avec son vrai, elle lui a vivement déconseillé. ni vie commune, ni mariage, rien du tout avec toi. Oui, puisque son ex. Vu que tu la connais bien, sincèrement, tu lui aurais dit. Tu vois? Mais c'est une pauvre conne. Ah, c'est. Du coup, vous deviez vous voir. Et je pense qu'il voulait pas que tu le voyes. Non. Mais toi, t'as dit, mais si, je viens. On se voit, enfin, bref. Que ça soit toi qui sois allé, je sais pas, ou que mi-chemin. Mais bon, bref. Ouais, il devait pas comprendre. Pourquoi tu voulais venir? Alors que cette semaine, tu allais te remettre avec ton truc. Mais c'est. Et ça, l'autre nana l'avait pas prévu. Mais bon, elle a dû lui dire, ah, mais bon. T'inquiète pas, elle a dû lui dire du genre, ouais, mais bon, vous avez prévu de vous voir. Donc, ma foi, elle n'a pas annulé. Dès que son ex va revenir, elle va te mettre un 37 ou un 38 ou un 40. C'est. Mais c'est pas vrai. Mais c'était pas vrai. Je te dis que c'est pas vrai. C'est pour. Que ça soit fini tous les deux. Mais c'est. Et que tu le bloques et qu'il te bloque et puis on n'en parle plus. Mais du coup, cette personne avait quelque chose à y gagner, puisque c'est pas ton mec, mais que tu connais bien la nana. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que tu aies un chéri dans ta vie. Et quelqu'un qui veut te garder près d'elle. Donc, c'est ou une mère, ou un père, ou une fille. Ah, écoutez, là. À mon avis, écoutez, c'est ou père ou mère. Bon, après, bah, les immersions, mais moi,
Ben moi, je dirais que c'est des enfants adultes. C'est qu'on fait ça. Des enfants adultes. C'est pas des enfants de 10 ans. Non, pas de 15. Non, plus vieux. Adultes. Pour arriver à monter un plan de toutes pièces comme ça. Non, non, c'est pas un enfant de 10 ans. Même si les enfants de 10 ans ne sont plus les enfants d'il y a 30 ans ou ce que tu. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Moi, pour moi, c'est où, ah ben, c'est où la fille à la mère ou son fils. Pas le choix. Et puisqu'on parle d'une femme, donc c'est où son fils adulte ou sa fille. Si, un des deux qui a fait ça. Un monsieur qui ne supporte pas que sa mère ait un homme dans sa vie. C'est, donc c'est dégueulasse. Mais c'est. Et ben, vous êtes ben, à cause ou de sa fille ou de son fils, vous êtes méchamment éloigné. Ah si, et de plus en plus, et de plus en plus. Mais bon. Moi, je pense que assez rapidement, que ça soit son fils ou sa fille, ça a gêné. C'est. D'ailleurs, on devait discuter avec d'autres personnes en disant, ouais, mais bon, des cadeaux, des machins, des bidules. C'est. Et je pense que ça faisait pas plaisir. Non, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est un mec super. C'est comme on en voit peu. Non, 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 ça plaisait pas. Je pense qu'elle pensait, ou il pensait, qu'on allait te larguer encore une fois. Ah, si. Mais si. Que c'était un con. Bon. Et que il allait te larguer. Mais si. Mais si. Mais si. Et c'est vraiment ignoble, que ça soit un fils ou une fille, une fille ou un fils, c'est qui a fait ça à sa mère. Quoi qu'il y en a, il y en a, ils le font au père, des fois. Monsieur, oh putain. Je vous garantis. Monsieur, il y a des filles qui l'ont fait à leur père. Pourquoi des filles ne le feraient pas à leur mère? Monsieur, ignoble. Monsieur. Alors qu'il ne supporte même pas qu'on effleure des trucs, c'est-à-dire ne supporte pas non plus que sa mère ou son père ait des relations sexuelles. Mais non, c'est vrai qu'ils sont sortis du nombril, hein. Par contre, pour eux, il n'y a pas de problème. Mais que ça soit des pauvres pères ou des pauvres mères, mais non, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Mais non! Pas le droit. Eh ben non, pas le droit non plus d'avoir des cadeaux de leur chérie. Homme ou femme, mais non, pas le droit. À part contre eux, oui, mais pas vous. Hein? Vous n'avez pas le droit de vous voir, mais non, ils ne supportent pas, ça les rend malades. Rien que de vous imaginer dans les bras de votre chérie, homme ou femme. Personne impure. Mais c'est. J'ose même pas imaginer une vie commune ou un mariage. Impur que vous êtes. Que ce soit des fils adultes ou des filles adultes. Hein, vous êtes indignes, vous savez quoi? Vous savez ce qu'ils pensent là-haut? Ah, je veux ce qu'ils pensent. Hein. Que ce soit les morts. Ouais, les morts. On a tous des morts. Hein. Eh ben, ils pensent que ce genre de fils ou de fille ne mérite même pas un gars dans sa vie. Ah, mais non. Un jour, là-haut, ils pensent pareil. Vous êtes dégueulasse. Soit avec les mères ou avec les pères. Dégueulasse. Ah, mais si, vous êtes dégueulasse. Ah, ben, eux, ils discutent. Hein. Ah, ben, ce genre, les mecs, que ce soit mec ou nana. Ben, vous savez quoi? Ah, mais vous allez rire, ils sont célibataires. Ah, ben, si, parce que de toute façon, ils collent ou leur père ou leur mère. Donc, de toute façon. Mais. Cherche à se caser. Ah, mais si.
Ben, vous pouvez attendre longtemps. Vous allez voir, c'est mort. Et ainsi que là-haut, ils vont vous caser avec quelques. Mais vous rigolez ou quoi? Vous détruisez la vie, soit de vos pères ou de vos mères. Et vous, vous êtes là et essayez de trouver un mec ou une nana. Mais ben, grattez-vous dur. Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? C'est quoi ces fils ou ces filles qui détruisent la vie ou du père ou de la mère? Mais vous êtes des oufs, non? Donc, attendez, vous allez rigoler. Attendez encore plus fort. Ouais, non, parce que vous allez rire. Il y a des morts, ouais, alors de tout âge. Et, hein, mais ils les ont vus faire monter leur plan de merde. C'est, mais c'est, ils ont essayé, tenté de les faire arrêter. Mais ils ont continué. Mais si, ils faisaient des rêves. Mais c'est des rêves. Ou alors, ils voyaient des silhouettes de leur mort. C'est. Mais c'est. Mais c'est. Mais c'est. Ah, c'est horrible. Et qui essayaient de leur dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vos mères ou vos pères ont le droit d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. Arrêtez. Mais non, ils ont continué. Mais ils vous détestent. Bah, vous savez, les morts peuvent être en colère, hein? Des morts? Ah ben si, ils peuvent être en colère contre les vivants. Hein? Ah ben je sais pas qui c'est qui a inventé que les morts ne pouvaient pas être désespérés par leurs ancêtres vivants. Ah putain! Ben, par exemple, des grands-pères ou des arrière-grands-pères dépités. C'est de voir ce que faisaient leurs petits-fils, ou leur arrière-petit-fils, ou leur petite-fille, ou leur arrière-petite-fille, mais c'est. Oh putain! Vous croyez que. Hein? Mais c'est. Vous croyez qu'ils vont sourire? Ah! Mes arrière-petits-fils sont des salauds! Ah! Mes arrière-petits-fils sont des connasses! Et puis quoi encore? Oh mon Dieu! Mais c'est. Parce que les ancêtres, eh ben, ils ont envie, par exemple, que leur petite-fille ou arrière-petite-fille soit heureuse avec un mec, hein, et inversement. Hein. Donc, du coup, vous êtes des saloperies, ils pensent. Oh mon Dieu! Et en plus, ils disent, et putain, comment ils sont culottés, eux, ils sont là sur des sites de partout. À essayer de rencontrer un mec ou non, ah, mais tu vas, vous allez voir si vous en allez en avoir un. Pourriture, il vous dit, mais si, il est mort. Ah, parce que je vous garantis que les morts, ceux-là, hein, et encore, comme je parle là, je suis gentil, hein, parce que si réellement je vous fais. Les réels, oui, communications qui me disent, vous allez être dégoûté, hein? Mais je vous le dis, hein? Et même pour les plus rigolos de grand-père, ou d'arrière-grand-père, ou d'arrière-grand-mère, ou arrière-grand-mère, vous n'allez pas rire, hein? Mon Dieu, mais bien sûr, mais c'est parce que s'ils avaient fait pas ça, vas-y, il y en a des couples qui seraient déjà formés, mais à cause de ses ancêtres, ah ben c'est vos fils ou vos filles, ils vous ont tout détruit et vous voulez qu'ils applaudissent les morts? Qui a dit que les morts
n'étaient jamais déçus. Qui a dit qu'ils étaient jamais en colère? C'est une fumisterie ou quoi? Vous croyez que parce qu'ils passent le long tunnel et de l'autre côté, qu'ils ont le sourire H24 concernant leurs ancêtres qui fait que des merdes? Mais qui c'est qui a dit ça? Qui? Ah ben j'aimerais bien le savoir. Ah ben des charlatans. Ah, vous croyez que par exemple, des grands-pères, des grands-mères, ou attendez, des arrière-grands-pères, grands-mères, ils ont toujours le sourire, selon ce qu'ils voient et ce que vous faites. Subir à d'autres, mais vous déconnez ou quoi? Oui, dingue. Ah, bien sûr, ils sont morts. Donc, ils voient toutes les merdes qu'ils vous font. S'ils étaient vivants, non? Hein? Quand, par exemple, que ça soit des fils ou des filles, ouais, vous font croire que vos ex sont sur la route, celui que, putain, que tu n'as pas envie de voir jamais de ta vie. Ça peut vraiment être saloperie, hein. Mais c'est... Ah ben c'est soit vos fils, soit vos filles. Avez le choix. Ah mais c'est... C'est rigolo, hein. C'est pissé dans la culotte, disent les ancêtres, hein. On est tordu de rire. Plié en deux, hein. Hein? Ah ben vous savez qu'il y a des ancêtres, hein? Il aurait giflé, hein? Que ça soit des garçons ou des filles, il lui aurait mis une de ses gifles dans la gueule ou pris une ceinture, hein? Hein? Même, hein? Même 18, 25, 30 ans, hein? Rien à foutre cela. Et après, elles auraient pu, il ou elle, aller porter plainte. Mais rien à foutre, hein? Oh mon Dieu, ah, elle est bonne. Ah ben cela, mais rien à foutre. Ben, ils auraient dit, ma petite fille, ou mon petit-fils, ou mon arrière-petit-fils, ou petite-fille, lui a fait croire que son ex allait revenir. Si, pour pas qu'elle soit avec l'autre mec, ou l'autre nana. Vous trouvez que c'est bien? Ah ouais, ils auraient dit, ah ouais, on comprend, monsieur, hein, madame. C'est vrai que c'est dégueulasse, hein. Ah, c'est dégueulasse de créer des faux profils et de se faire passer pour ex-homme ou femme, hein. Avec toutes les misères qu'ils lui ont, leur ont fait. Et ils seraient foutus de leur gueule. Et même les flics, ils auraient rigolé. Et les gendarmes, ou même la police municipale, hein. Mais c'est... Et les aurait mis en cachot là de nuit pour leur rafraîchir les idées, que ça soit des filles ou des garçons majeurs, je précise, hein? Oui, tu as, mais c'est, oh putain, il y a des ancêtres. Ben dis ce que t'as fait à ta mère. Dis, ben dis-le, parce que je t'ai frappé. Je suis ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Dis, je t'ai mis, oui, vas-y, que je t'ai mis une bonne gifle ou une bonne, ou un coup de ceinture. Vas-y, dis-leur ce que t'as fait à ta mère ou à ton père. Vas-y, dis-le. Elle a eu honte. Ah, ils auraient, je vous dis qu'ils auraient eu honte. Bah, ouais, c'est vrai. Ah, ils se seraient moqués, avec que ce soit des filles ou des garçons. Ah, les commissariats, la police. Mais si, ils auraient rigolé, ils se seraient moqués de ce genre de nénette ou de mec. Même à Annie, hein? Bah, ils auraient eu de la peine pour toi. Par exemple, le mec, amoureux de la nana, et les nanas. C'est, ça leur aurait fait de la peine, mais c'est. Mais c'est. Hein, ils auraient même eu envie de vous mettre, hein, de leur faire, hein, de les garder à, je sais pas, 48 heures.
à ce genre de connasse. Excusez-moi. Je m'avoue être connasse pour faire ça. Hein, que ça soit des fils, que ça soit fils ou fille. Hein. Faut pas avoir de race. Hein. Ouais. Mais ceux-là, ils sont morts. C'est putain, c'est les ancêtres. Ah, mais ils le savent. Donc, ils ont vu ce que leur petite fille ou leur petit-fils, pour certains, pour d'autres, c'est plus loin, ce que leur arrière-petit-fils ou petite-fille a fait. C'est. Mais il y a les morts. Ah ben, des mecs. Aussi, ah ben, de toute façon, c'est les mêmes morts. Enfin, ben, vous savez, par exemple, là, on parle de couple. Donc là, tu as un mec. Donc forcément, tu as une nana. Mais si on a fait ça à une mère, ah ben, c'est la même descendance. Ah ben, faut être salope, hein, ou salaud. Hein. Ah ben, putain. Donc, du coup, ben, autant c'est le grand-père et l'arrière-grand-père. Bon, pour d'autres, ça peut être un peu moins, un peu plus. Mais c'est. Ils allaient trop bien ensemble. Ah putain, trop bien. Ah mais ils ont discuté tous ensemble. Ah ben c'est-à-dire les morts au mec. Là. Et les morts à la pauvre nana. Si, et je vous dis pas, qu'est-ce qu'ils pensent? Ah ben de la descendance. Oh putain! Hein? Ah ben putain, s'ils étaient vivants, hein, et qu'ils le savaient, hein, putain, ils seraient allés choper ou le fils, ou les filles, majeures, hein. Ah putain, hein, je vous dis pas comment ils leur auraient parlé, et rien à foutre, des briseurs, hein, des empêcheurs de vie, hein. Ah si, dans des futurs couples, ils ont tout cassé, mais c'est dégueulasse, hein. En plus, ils allaient, ben des mecs allaient faire des demandes. Si, à la nana qu'il fallait. Si. Et ces pourritures en face ont tout cassé. Tout. Alors je ne dis pas, hein, ben, les ancêtres des femmes, les pauvres, ah ben, ce qu'ils pensent, soit des fils, soit des filles. Oh putain! Par contre, tous les morts sont d'accord dans le fait que ah ben ils ne méritent pas hein, ah ben non hein, de faire hein, la descendance. Moi, je dirais des mères, mais bon, dirais des mères et des mères. Ah ben ils pensent tous d'un commun accord que hein, ben, les filles là majeures ah mais ne méritent pas. Hein, ni de se marier, ni d'avoir des gosses pour celles qui en veulent. Ah, mérite que dalle ze bilamouche. En tout cas, tant que ces, ben, ces pauvres mecs ne seront pas en couple avec les pauvres nanas, rien du tout mérite. Mérite que des mecs les prennent pour des connes, pour des grosses connes. Elles méritent que ça. Mais c'est. Mais c'est. Bon, ils n'ont pas envie de les faire un coup. Ah putain, tu vois ce qui va arriver pour ce genre de nana. Ignoble. C'est nana, c'est. Ils n'ont pas envie qu'ils se rencontrent en vrai, mais non. Que des cons ils vont leur envoyer. Aux filles, aux mères, c'est. Ah, que des mecs qui vont leur mentir. Mais mérite que ça. Que des mecs qui se tapent, je sais pas combien de nanas, que ça. Et ça va pas s'arrêter. Non. Non. Parce que déjà, les morts aux nanas, pécherettes, pensent qu'elles doivent être punies, mais lourdement. Oh putain! Mais les morts aux mecs, pareil, mais c'est. Et que des bolosses, elles vont rencontrer ces nanas. Ouais. Mais comment? Ils ont quand même piqué. Elles vont à chaque fois découvrir que c'est des bolosses infidèles, tu vois, des brouteurs de minettes.
Mais c'est bien fait là où ils disent. T'avais qu'à pas faire ça à. Vous avez qu'à pas faire ça à vos mères. Si, c'est ça. C'est dégueulasse. Et même tout ce qui est la descendance du côté du mec qui sont morts, ils passent la même chose. Alors imaginez-vous, un baiser. Ils auraient fait de très beaux couples ensemble. C'est. Et à cause d'une de vos filles, ah ben pour chacun d'en appeler, il y en a. Ah ben pour celle qui en ont. Grande. Bon après, il peut avoir des fils aussi qui ont fait ça à la maison. Hein, c'est plus des nanas en fait, souvent, mais bon. Mais là, hein, putain. Ah ben il y a des filles à leur mère, elles leur ont fait ça. Elles les aiment. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elles les aiment. Ah putain. Parce que quand même, monter un tel scénario, hein. Et faire ça, c'est vraiment indigne d'une fille. Hein. Ah, peu importe les raisons. Hein. Ça ne se fait pas. Ah ben putain, elle est morte. Ah putain. Ah, mon Dieu. Ah ben je vous dis pas. Et ces pauvres mecs en face, une de ces peines, c'est. Et si, parce qu'en plus, c'est Poufias, excusez-moi, parce que c'est Fouette Poufias, leur avait dit de ne pas leur en parler. Ah non, il fallait rien dire. Mais pourquoi vous leur avez rien dit? Pourquoi vous leur avez pas posé directement la question à la nana, au nana que vous aimiez? Pourquoi vous avez écouté ce qu'on vous disait? Mon Dieu! Pourquoi? Donc, fille à maman te dit, ouais, ben, ne lui en parle pas. Parce que quoi? Parce qu'elle va te dire que non? Parce qu'elle va te dire que c'est pas vrai? Ah oui, tiens. Et vous l'avez cru? Putain. Ah, moi, j'aurais pas cru. Ah, moi, non. 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 Quel scandale. C'est indigne d'une fille envers sa mère. D'ailleurs, dans les versements, c'est pareil. Mais vous savez que il y en a qui vous ont demandé. Ah, je pense. Si vous seriez capable de parler à leur mec derrière leur dos, pourquoi faire? Quel intérêt? Quel intérêt une mère aurait à parler avec ton mec? Ok? Bon, sujet clos. Mais elles l'ont fait. Ah, mais c'est. Ah ben, pour vous séparer. Ah, je ne sais pas ce que les morts passent de nana comme ça. Oh mon Dieu. Priez. Hein. Vous avez tout gâché. Est-ce que vous en êtes conscient? Vous le savez. Ah, vous le savez. Ah ben on va voir. Et tous les morts, même les morts des mecs, parce que vous ne méritez rien. Non! Ils pensent que vous méritez de crever seul, de mourir seul. C'est de vieillir seul. Sans rien, sans personne. Ah mais c'est. Ils pensent aussi que vos mères mériteraient de le savoir, tout ça. Si. Les bonnes filles qu'elles ont. Et ils pensent aussi. Ah ben les mecs le savent. Si, ils savent. Eh ben, les mecs, eh ben les morts, que ce soit de ce genre de nana et les vôtres, insistent lourdement pour que vous leur disiez la vérité. Alors imaginez. Eh ben si, parce que au moins, elles savent les pourritures de filles qu'elles ont. Ou de fils. Majeur, évidemment. Mais c'est, il le pense, hein, tous les morts, des nanas, évidemment, si c'est les nanas, c'est la même descendance, puisque de toute façon, c'est ou des filles ou des garçons, et il le pense, et vos morts, vous les mecs aussi. Hein, mais si. Alors imaginez-vous, hein, et que vous vous taisez. Pourquoi? Pourquoi vous les protégez? Pourquoi? Maintenant, ils pensent que vous devez dire la vérité.
à la femme que vous aimez ou que vous avez aimée. Alors, voyez, même vos dévolés, oui, même la descendance au mort à eux. Alors, imaginez, ah, messieurs, quel scandale. Ah, messieurs, mais elles sont allées plus loin. Ah, putain, elles n'ont pas fait que ça. Elles ont même créé des faux profils sur les réseaux. C'est. Et elles vous ont harcelé. C'est. Comme quoi, votre l'homme que vous aimiez se tapait toutes les nanas de France. Et y compris elle. Parce que des fois, elle ne se mettait pas dans le scénario. Des fois, oui. Ah ben, vous le dites. Mais c'est ignoble. Ignoble, ignoble, ignoble de faire ça. Ah, mais c'est. Ben vous allez voir, si vous allez rencontrer un mec bien, ils vont vous envoyer que des cassos. Mais sérieux, ah mais c'est. Tous les morts, que ça soit du côté des nanas ou des mecs, pensent la même chose. Ah, elle est bonne, celle-là. Oui, elle croyait que elles vont vivre avec un mec ou une nana. Si. Mon Dieu, ah ben vous êtes loin du compte. Hein. Non, ils laisseront pas faire. Ils pensent que vous le méritez pas. Mais non, vous êtes des pourritures, ils pensent. Ah putain, oh là là. Et encore, ils sont gentils. Ah putain, quel scandale. C'est-à-dire qu'ils brisent ou la vie de leur mère ou de leur père. Eh oui, mais à eux, il faut leur envoyer un mec génial ou une nana géniale. Pour qu'ils puissent enfin faire leur vie. Ah, mais grattez-vous Dieu. Hein. Ah, mais Dieu, oh Dieu. Hein. Non. Ah, non. Ah, mais ça n'arrivera pas. C'est vous. Vous avez le temps. Ah, avec les dégâts que vous avez faits. Ah, ben, ou sur vos mères ou vos pères. Ah, mais évidemment, un hein, mec, une nana en face aussi. Ah, ben, c'est pas demain la veille. Pauvre France, ils vous disent. Ah, non, mais c'est le monde. C'est le monde à l'envers, ils disent là-haut. Ah ben elle est morte. Ah mais c'est. Ah putain, elle est trop bonne. Ah putain. Ah ben c'est-à-dire c'est des gendarmes. Si, c'est eux qui contrôlent la vie de leur mère ou de leur père. Ah mais si. Ah mais si. Avec qui peuvent être et qui peuvent pas être. Ah mais quand il arrive, par exemple, un mec super gentil, non plus. Ah ben vous allez voir. Oh là là. Vous n'avez pas peur des défunts. Mais tu devrais, vous devriez. Ah là là, parce que selon lequel famille, que c'est. Ah putain! Non, mais sûr. Ils ne peuvent pas les toucher. Mais si. Mais hein, il est arrivé des choses bizarres. Au niveau énergétique. Hein, tu sais, ah, jour, nuit. Hein, ah, l'électricité, des prises. Mais si, pour bien leur faire comprendre, je suis là à côté de toi, espèce de pourriture de petite fille, ou de petit-fils, ou derrière une petite fille, ou petit-fils, mais si. C'est moi, je suis là. Et t'as pas de race. C'est comment t'as pu faire ça à ton père ou à ta mère? Espèce de sale race! Dire que tu es la moitié du sang! Putain, heureusement, je t'ai pas connu! Putain, je saurais décaquer ta gueule! Mais si, ah putain, même à 25 ans ou à 30 ans, je t'aurais démonté en pièces détachées! Et après, t'aurais pu aller déposer une plainte! J'en ai rien à foutre. Mais si. Ah putain, elle est bonne. Ah, mais je vous le dis. Mais si. Je t'aurais tiré par les cheveux. Et je t'aurais scalpé. Si. D'avoir fait ça à ton père ou à ta mère. Je t'aurais démonté. Ouais. Ah putain. Ah mais si. Et en plus, des fois ils sont là. Ouais, parce qu'ils te voient, et ouais, les filles, les mères, les pères, ce que tu veux. Et des fois, hein, ils disent, mais comment
Comment elle parle à sa mère, elle? Comment elle parle à son père, elle? Putain, j'aurais été là, j'aurais défoncé sa bouche. À peu importe l'âge. Mais si. Ah putain, vous les connaissez pas, les vieux ancêtres, hein? Hein? Ah putain. Mais je vous jure que c'est vrai. Hein, mais des fois, même, par exemple, de mère à fille. Ou, oui, mais c'est mère. Donc c'est ou des fils ou des filles. Ils voient, ils sont ensemble. Et les morts sont même dans la bagnole. C'est, mais on ne les voit pas. Ben, je vous dis pas. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur arrière petit-fils? Ou petit-fils? Oh putain! Ah ben je vous dis pas. Ah ben putain, pas de bon. Non, non, non. Non, parce que peu importe, on respecte sa mère ou son père. Ah si, peu importe. Mais ils n'ont pas de respect. Non. Ah, mais les morts sont là. Ah, mais si. C'est-à-dire qu'il doit avoir. Ah, ben là. Ou des grands-pères. Mais avec leur père. Dans d'autres régions, c'est les arrière-grands-pères. Et leur père. Ah, mais si. Ah, putain. Ah, putain. Et alors ils parlent. Mais si, mais vous les entendez pas. Ah, putain, regarde-moi là, cette conne-là. Ouais. Comment elle parle à son père? Ou comment elle parle à sa mère? Putain, moi j'aurais défoncé la bouche. Ah, hein? Mais je vous dis que c'est vrai. Ah, surtout les solaires. Les salles chaudes. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais même les autres. Hein? Arrête de me regarder. Arrête de me regarder. Il y a ça qui me vient à l'oreille. Arrête de me regarder. Regarde ailleurs. Oui, mais regarde ailleurs. Mais comment tu parles à ma petite fille? Comment tu parles à mon arrière-petite fille? Je vais te défoncer ta race. Mais, ouais, mais, ouais, mais à mon avis, d'autres langues. Hein, regarde ailleurs. Je vais te défoncer la tête. Comment tu lui parles? Tu crois que c'est ta copine? Ouais, mais comme c'est des latinos, enfin, pas que des latinos, mais des sales chauds. Ouais. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais leurs anciens, des vieux morts. Parle sur un autre ton, hein. À ta mère ou à ton père. Comment tu lui parles? Tu crois que c'est ta copine? Hein? C'est pas parce qu'elle est cool, là, hein, que tu dois lui parler comme un chien. Hein? Tu vas voir. Mais là, putain, il y a toute une lignée d'hommes. Alors, d'un côté, vous avez le soleil. Avec que ça soit la France ou en France, hein. Même ouais, de la Corse, hein, ouais, et ailleurs, hein. Ouais. Oui, mais. Oh, putain. Hein, mais ils ont envie de les. Vas-y, ils ont envie de les frapper. Ah, vous savez que maintenant, tu peux plus, hein. Ah, ben, tu sais que maintenant, tu n'as plus le droit de frapper, par exemple, ta fille. Non, ou ton fils. Mais ils s'en foutaient. Hein? Vas-y. Que tu es. Hein? Hein? Mais ils s'en foutaient, c'est plus les mêmes. Ah, quand ils ont vu les changements de loi, ils étaient. Hein? Ils étaient morts de rire. Oh putain, on n'a même plus le droit de mettre une fessée. Vous le dites. On n'a même plus le droit de mettre une fessée. Quand ils répondent à leur mère ou à leur père, ou qu'il leur manque de respect. Ou quand tu leur dis de rentrer à telle heure, ils te prennent pour des cons. Ou alors quand ils disent qu'ils vont là, mais ils n'y sont pas. Mais là, c'est les vieux, les ancêtres. Hein? Là,
C'est que des nanas majeures. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Hein, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Hein, ils seraient vivants. Eh ben même leurs petites filles ou leurs pareilles petites filles, ils les auraient massacrés. Mais si. Après, il a foutu d'être convoqué au commissariat. Cela, papa. Arrive, il dit. Alors, écoutez-moi bien. Petite fille ou arrière petite fille. Ah, écoutez-moi bien. Manque de respect à sa mère. Ne l'écoute jamais. Inverse les polarités. Crois que c'est elle la mère et elle sa fille. Ah ouais. Ça passait quoi, monsieur le policier? Ils auraient rigolé. Ils se seraient moqués de ce genre de connasse. Mais si. Comme il y en a. Ah, mais attendez. Ah ouais. Qui ment sur les lieux où elles vont. Si, elle ment, mais imagine, elle tombe sur un jobard, un violeur, un séquestreur. Ah, mais elles sont tarées. Ah, les ancêtres disent, ouais, les grands-pères ou les arrière-grands-pères et leurs pères de leur. Pauvre Mongol, la conne comme des manches à balai. Ah, ah, ah. Et ils disent, putain, je serais été vivant. Qu'elles aient 18, 25, 30, je les aurais massacrées. Et après, si elles auraient voulu aller porter plainte contre papy ou arrière-grand-papy, vas-y, je serais même venu avec vous. Mais si, ah, elle m'aurait pas vu monter dans la voiture. C'est pas grave, j'y serais allé à pied ou en bus, ou avec ma bagnole. Et j'aurais tout raconté. Et ils se seraient moqués de vous. Ignorante. Idiote. Mais que des morts. Hein. Et en plus, ils cassent toute la vie à leur mère ou à leur père. Si. Avec un mec. Pour chacune d'entre vous. Si, normal. Sans crème, sans vaseline. Du coup, ah ben, ils pensent qu'elle mérite rien. C'est nana, c'est mec, mais non, rien du tout, il mérite. En tout cas, tant que ces gens, bah, n'auront pas quelqu'un de bien dans leur vie, rien du tout. Ils pensent aussi, ah, attendez, parce qu'ils pensent aussi qu'ils méritent de se caser avant. Ah, ouais. Ah ben, les ancêtres, disent que c'est pas une raison, hein. Ah, mon Dieu, qu'elle est bonne. Ah, elle est bonne, et c'est à mourir de rire. Et du coup, ah vous savez quoi? Que ça soit des mères ou des pères, ils vont se caser avant vous. Je préfère vous le. Ah, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ah ben, vous allez voir. Ah, vous allez les voir déménager. Déménager. Et pour d'autres, même plus. On verra la gueule que vous ferez. Hein? Ah, ils vous disent. Ah, on sait que vous n'allez pas être sauté au plafond. Ah ouais, on vous voit, on vous voit. Même des fois, on est chez toi. Chez toi, quand toi, quand tu vas chez toi. Ah ouais, dans de brèves occasions pour certaines. Ah, mais bon. Ah ouais, on est là. Et puis, on voit les gueules, on voit la gueule que vous faites. Ah. Putain. Un scandale, ils pensent, les morts. Ouais, mais des vieux, vieux. Ouais. Ouais, qui avait des chapeaux des fois sur la tête. Ouais, des chapeaux, des casquettes, mais d'une autre temps, d'une autre époque, tu vois. Ouais, pas les casquettes d'aujourd'hui, ils disent que putain, c'est moche. Ah ouais, que les jeunes, mais là, comme ça vient mal. Putain, on dirait des cons, mais ouais, hein. Ils sont plus là, mais des fois ils sont morts de rire quand ils voient comment ils se freinent, mais bon. Ah, mais ils sont morts de rire, mais bon. Je vais faire. Hein. C'est une autre temps, c'est une autre époque. Hein. Et maintenant, bah, les filles à maman, ou un verre ou les filles à maman, surtout, estiment qu'elles doivent se caser avant leur mère. Ouais. Ou alors des fils aussi, ouais. Puis, ah ouais,
Puis là où les ancêtres, il dit qu'à chaque fois qu'elle pense que ah, ça va venir, elles deviennent très hautaines. Ouais, très supérieures concernant leur mère ou leur père. Alors ils te disent, tu vas te calmer. Hein. Vous allez vite vous calmer. Hein. Et redescendre de votre trône. Parce que sinon, à ma vœu, on est souvent là. Chez maman. Ou chez les papas. Du coup, comme bon, bah, vous êtes souvent avec eux. Ah ben, on est là. On voit tout. 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 Ah, mais vous ne voyez pas, on est mort. Mais bon, à plusieurs reprises, on a tenté de faire comprendre, soit à des filles, à maman, ou des fils, que basta cosi. Vous allez vite arrêter. Hein? Alors, ça peut être par des prises, c'est l'électricité. Des prises, des lumières, du son. Vous allez vite arrêter. Hein? Parce que si vous continuez à pourrir la vie, soit à des pères ou à des mères, on va sévir. Pire en pire. On sait hein, combien j'aimerais avoir un mec ou une nana, les plus jeunes, ouais. Eh ben, laisse tranquille les gens. Hein. Sinon, ils disent, ils vont s'occuper hein, de cas très spécifiques. De fille à maman ou de fils à papa, à maman. C'est que les mères. Donc c'est ou des garçons ou des filles. Majeurs, bien entendu. Mais ils rigolent pas. Et que des choses bizarres sont arrivées. À la maison. Chez maman. Plutôt chez maman. Ils disent. Bah, ils disent, c'est nous. Basta così. Ça suffit. Hein. C'est les morts. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent. Ah, ce qu'ils veulent. Mais bon, ils peuvent aller plus loin. Ah putain. Mais c'est. Et ah ben ils se les ah mais ça fait des années qu'ils sont morts ah des années ah des très longtemps cela en tout cas il doit peut-être un peu moins ah mais ah ouais et ça va passer d'ailleurs d'ailleurs ils pensent que vous êtes pas fini les morts non non que ça soit des filles ou des garçons ils pensent vraiment que vous n'êtes pas fini, que vous avez un problème au cerveau. Ah ben, ils peuvent dire, eh, ce qu'ils veulent. De toute façon, tu peux pas les toucher, tu peux pas les voir. Donc, bon. Et ils s'entêtent à que vous n'ayez pas un mec ou une nana dans votre vie. Ah, ils font que ça. C'est leur mission de vie, quoi. C'est mort. Soit vos grands-pères, vos grands-mères, ou vos arrière-grands-pères, nanana, vous conseillent vivement d'arrêter. Allez-y. Et que s'il faut, ça donne une impression qu'ils vont, ils vont vous détruire à vous. Ah, vous détruire, mais c'est, vous détruire, par exemple, leur fille. Détruire leur fille par tous les moyens ou les fils. Hein, ils s'en foutent. Les détruire à tout prix. Ils peuvent aller très loin. Allez-y. Parce que ça soit des mères ou des pères, ils ne se doutent absolument pas de la mauvaise graine. Donc, eux, ils vont pas laisser détruire, par exemple, leur petite fille. Ou leur petit-fils, ou leur arrière-petit-fils, leur arrière-petit-fils, fille, non. Et même si c'est vos gosses, hein, adultes, bien évidemment, je précise. Non. Non, non, parce que là,
Là, putain, c'était le mec parfait. Parfait pour la nana. Parfaite. Et ils vous ont tout détruit. Donc, ah non, non, non. Parfait. C'est-à-dire où il n'y aurait eu aucun problème dans rien. Non, dans rien. Non, tu aurais pu voir très souvent, par exemple, ta mère, que ça soit garçon ou fille. Alors, imaginez-vous ce que les défunts pensent. Ah ben, une de vos filles ou de garçons. Ah là là, ah ben, rien de bon. Plutôt du... Oh putain. Vous savez que... Ah ben, les aime pas. Non. On peut pas se les encadrer. C'est-à-dire que si c'est ton grand-père, eh ben, il peut pas encadrer ta fille. Ton fils. Non. Mais, bon, donc, tu vois, si c'est... les arrière-grands-parents, ah ben, les arrière-grands-parents, ils peuvent pas encadrer ta fille ou ton fils. Mais putain, comme ils les détestent. Ah, mais d'une force. Parce que ça joue double jeu. Donc, détestent. Ah, vous savez, il y a des morts. Ah ben non, parce que vous savez, les morts d'avant, eux, ils faisaient pas les choses par derrière. Ah ben non. Mais non. Jamais. C'est-à-dire que si par exemple ils étaient sûrs à 100% qu'un mec, une nana n'était pas faite pour une femme, eh ben il le disait par exemple à sa fille, en pleine figure. Ah mais pour des vraies raisons. Je sais pas, parce que c'était un voyou. Ou un mec, une nana qui travaillait pas, qui se branlait. Des trucs graves. Vous voyez? Mais pas pour sa cause personnelle. Parce que c'est ça, ils disent les morts. Vas-y, hein? S'ils avaient le pouvoir de, de toucher ce genre de petite fille ou de petit-fils ou d'arrière-petit. Oh putain, laisse tomber. Hein? Ben, je crois qu'il aurait frappé. Ah ouais, mais massacré. Massacré. Est-ce que vous comprenez? L'aurait pas tué. Ah, mais massacré. Ça, c'est sûr. Hein. Que des majeurs, rien à foutre. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est massacré. Ah, ah bah ils ont eu des enfants. Selon. Ah oui, puisque vous êtes la descendance. Ils ont déjà frappé leur fille adulte. Hein. Ah, pour des bonnes raisons. Hein. Ah bah non, ils sont pas allés porter plainte. Hein. Ah, autant c'est vos mères. Ou vos pères. Ah non. Aurait fracassé une deuxième fois. Mais il y a de bonnes raisons. Ah putain. Ah ben c'est. De bonnes raisons. Vous savez, les anciens, c'était jamais sans raison. S'ils frappaient leur fille, majeur, majeur. Il y avait de bonnes raisons. Les garçons, pareil. C'est. Mais maintenant, on peut plus toucher personne. Hein. Ah ben, ça va déposer des plaintes. Hein. Bref. Mais il vous conseille de plus bouger un doigt. Ah, écoutez. D'arrêter les faux profils, ouais. Que ça soit, peu importe pour écrire quoi concernant vos mères ou vos pères, il vaut mieux, hein. Et puis, de ne plus jamais contacter les mecs en question en face. Ils vous le conseillent. Ils vont vous détruire leurs ancêtres. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas le choix.
ne bougeait plus un doigt, elle ne pensait plus. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les filles à maman ou les fils à papa, elles ont le temps d'avoir quelqu'un dans leur vie, je vous le dis, après tout ce qu'ils vous ont fait. Derrière votre dos, c'est pas demain la veille. Je vous le dis. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Non. C'est ce qu'ils disent les morts. Hein. Donc, du mais vous allez vous caser avant. Si. Les mamans, là? Ah, si. Ah, ben les filles. Ah non, mais eux, de toute façon, ils feront tout pour leur envoyer que des cassos. Donc, de toute façon. Et vous allez vous caser avant. Ah, vous verrez. Elles seront pas enchantées. Non. Pourtant, normalement, on doit l'être, non? Elles le seront pas. Pas du tout. C'est grave, hein? Ah, ben si, c'est grave, disaient les ancêtres, quand même. Hein. Ah, ben ça. Mais j'ai plus un droit, ils disent. Surtout qu'il y en a des, très viruleux selon les ancêtres. Hein. Pas de bol, hein. Ah ben. Pas de bol. C'est-à-dire, elles ont trahi, trompé leur mère ou leur père. Comme quoi. Hein. Ah ben. Elles se sont fait passer pour un de vos ex. Je vous l'ai dit. Mais c'est. Et en plus, elles ont hein, contacté le mec que vous aimiez. Ah, mais c'est à votre insu, évidemment. Et les morts vous ont vu faire. C'est. Ah ben putain, ils sont tombés à la renverse. Ah, ben vous allez voir comment vous allez le payer. Ah, comment? C'est très simple. Vous allez vous caser après vos mères ou vos pères. Et pas avant. Ah, priez pour qu'il se case. Hein. Et pas avant. Et si, parce qu'il fallait que ça soit d'abord les mecs ou les nanas en premier. Et après les autres. Ah, si. Ah, mais vous allez voir. Quelle est bonne. Ah, mais ils vous voient. Ah, mais je dirais même qu'aujourd'hui, ils sont là. Mais si. Ah, ben. Dans les appartements ou maisons où ils font. Si. C'est pas de la rigolade, ils sont là. Et ils peuvent même te le prouver. Sont à côté de toi. Ah, peu importe, tu es là, mais là, ils peuvent te démontrer qu'ils sont là. Mais c'est. Ah, c'est. Par exemple, je veux savoir quelque chose. Ah bah, ils peuvent le prouver. Comme ils peuvent. Hein. Ah ouais. Ils peuvent faire bouger des choses. Faire disparaître des choses. Faire revenir des choses. Plein de trucs comme ça. La lumière. Qui, tu sais, tu dis, oh putain, c'est bizarre, oh, les watts. Oh. Tout qui gris, qui revient. Des prises qui se déforment, je sais pas, qui se remettent. Ah, tu as des trucs, putain, ils se comprennent pas. Ah, ils sont là. Et ils peuvent encore vous le démontrer. Il n'y a aucun problème pour eux. Ah. Mais c'est par, je sais pas, leur pensée, ils peuvent pas toucher. Mais, si, man, tu les énerves. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, que vous continuez. Ah, ben, autant tu les vois en face de toi. Ah, putain, mais c'est déjà arrivé. Ah, mais en face, comme toi et moi. Autant tu vois ton arrière-grand-mère apparaître. Si, il y en a. Ah, mais c'est pas pour une visite de courtoisie, hein. Si tu la vois apparaître en vrai, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, ah putain, c'est pour te démonter ta gueule, ah ben ça, hein, Gérald, ah, mais c'est, mais tu peux les rêver aussi, mais si vous continuez, il peut y avoir des apparitions,
Si, c'est déjà arrivé. Là, il est mort. Mon Dieu. Attention. Et si par exemple, tu vois, je sais pas, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, inquiète-toi, fille. C'est pas pour dire ma bichette, hein. Non, c'est que tu as fait du mal à ta mère ou ton père. Ah, mais si, que ça soit en rêve ou si tu la vois en vrai. Et si un jour tu rêves ton grand-père ou ton arrière-grand-père, c'est la même chose. Hein. Ah, c'est pas un message de gentillesse pour toi. Hein. Tu peux les voir en vrai un jour. Hein. Ah, mais je te le dis. Ou si tu rêves, attention, même en vrai un jour. Hein. Ou à. Je sais pas, quelqu'un de ta famille aussi, qui est mort moins longtemps. Ah, mais c'est pas coucou, coucou maintenant, pas là. Coucou ma soeur, non, pas là. Coucou ma cousine, moi, mon cousin, non, pas là. Ah, pas du tout. Ah, putain, pas du tout. Ah, non. Tu peux les voir en vrai à force. Et alors là, si tu les vois en vrai, c'est que c'est la dernière fois avant qu'ils te fracassent en deux. Oh, mais c'est. Et après, ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Et en général, après, c'est plus haut. Et alors là, ils sont sans pitié. Ah, sans pitié. Non, mais je plaisante pas, c'est la vérité. Comment le dire? C'est pas assez, hein? Parce que tu sais, quand les morts. Bougent des choses, c'est qu'ils veulent te faire comprendre des choses. Bougent des choses, excusez-moi. Tellement ça me donne mal au cœur. Imaginez-vous. Mais si, peut-être même ils ont fait d'autres choses, des rituels et tout. Ah, mais si, ça me donne mal au cœur. J'en ai la nausée. Imaginez-vous. Donc, arrêtez. Ça va finir mal pour vous. D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils ne laisseront pas détruire la vie de leur petite fille ou de leur arrière-petit-fils. Et que, en tout cas, les femmes, là, c'est ah ben, c'est ou vos filles, une de vos filles ou vos fils. Ah, mais si. Et que, de toute façon, les ancêtres, non, ne laisseront pas faire. Ah, pas ou quoi. Ah non. Jamais de la vie. Moi, je pense qu'on vous a même fait des rituels. Si. Alors, imaginez-vous. Ils vont les détruire, je vous dis. Ah, ben, écoutez. Mais quand on dit détruire, vivant, non, ça va. Ah, mais vous allez voir. En vie, non, oh, quand même. Pas ça, non, quand même. Mais, attention. Ah, ben, s'ils continuent, ah, ben, ils vont avoir en pleine face, avoir leur arrière-grand-mère. Ou leur arrière-grand-père. Ah, c'est. Ah, en vrai, hein, comme vous et moi. Mais c'est pas des rêves. Hein. Non, jamais. Ils en avaient vu d'autres, ils n'ont pas très bien compris. Plus jeune. Plus jeune. Jeune. À peu près d'ailleurs, le même âge que ce genre de nana. À peu près. Si ça se trouve d'ailleurs, la mère à ce genre de nana ou de mec l'avait vu aussi. Ah, c'est, on sait. Il te disait attention à ton fils ou à ta fille. Attention à. Oui, mais le mec qu'elle a vu, il est à peu près de la même génération qu'elle et de sa famille. C'est, mais pas de la tienne. Donc, il te mettait en garde. C'est contre elle ou lui. C'est. Et tu as. C'est qu'un rêve, tu l'as vu.
Il est venu te prévenir du danger. Mais du danger ou de ton fils ou de ta fille. Qui te voulait du mal. C'est. Concernant la relation avec l'homme que tu aimes. Je voulais. Mais là, c'est le dernier avertissement. Et là, c'est les plus vieux. Là, ah oh, putain, c'est les plus vieux qui s'en mêlent. Ah, pour vous dire. Hein. Donc, moi, pour moi, il y a ton grand-père, ton arrière-grand-père, mais il y a aussi ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Et peut-être même encore une hein, plus âgée qui est là. Oh putain. Ah mais toi, ils vont rien te faire, bien au contraire. T'aimes énormément. Par contre, concernant au minimum un de tes fils ou une de tes filles, aïe aïe aïe, elles peuvent pas se les encadrer. Et encore, ils sont gentils. Ah, ben, vous savez, ah putain. Non, mais ils sont gentils. Ah, vidé. Ah, pourquoi? Ah, parce que c'est où ta fille ou ton fils? Ah, mais s'ils veulent. Ah, putain, je sais au moins. Ah, mais. Ah, ils vont me faire comprendre. Ah, putain, sa mère. Ah, ben, moi, je vois. Ah, d'après ce qu'on me dit, ah ben, j'aimerais pas être à la place. De ce genre de nénette. Ou mec, parce qu'il y a les immersions, il y a les deux. Les immersions. Oh putain. Ah, moi j'aimerais pas. Non, franchement, j'aimerais pas. C'est-à-dire que je préfère ma place à moi que la place des personnes dont je vous parle. Voilà, là. Mais. Ah ben si ils doivent faire quelque chose, ils le feront que quand t'es pas là. Ah ben que la mère est pas là ou que le père est pas là. Non, tu seras jamais là. Ah ben, non, tu seras pas là. Se caguer. Ah mais d'une force. Parce que c'est vrai que quand tu vois des revenants, c'est pas quand même ça. Ah, mais comme vous et moi, hein. Ah, putain, c'est que là, c'est plutôt urgent. Bref, ouais. Oh, de chance, hein. Ah, ben, à séparer des mecs et des nanas. Donc, forcément, ils peuvent plus, c'est plus possible, hein. Mais c'est ce côté maman. Hein? Donc c'est ou garçon ou fille. Majeur en plus. Hein? Majeur maintenant. Mais bon. Je sais pas, il pense d'autres choses aussi, mais bon. Qu'on puisse passer longtemps aussi. Oh que si. Mais bon, c'est mieux ainsi. Mais celui-là, il était super pour maman. En tout cas pour les mamans ou les. Ouais, les mamans. Même ça, putain. Il l'a. Ah non, mais là, il rigole plus. Si elle bouge un cheveu, qu'elles intentent quoi que ce soit contre leur mère, ou le mec, ah putain, alors là. Ah non, mais c'est comme si ils avaient un poignard derrière leur fille. Comme ça. Ouais, un poignard. Une clé de. Ouais, un poignard, comme ça, ils attendent. Je vous jure que c'est vrai. Alors, un poignard. Un poignard pas ébré, mais. Écoutez, il va leur tomber un truc. Ils vont leur faire un truc, putain, je te dis pas. Mais je déconne pas. Pour que ça s'arrête. Ah, mais si. Que ça s'arrête. Qu'elle puisse plus agir. Mais,
Vraiment, ah, bon vivre, oui, mais bon vivre. Pas de problème. Mais oui, ils peuvent plus laisser faire. En tout cas, vaut mieux qu'elles se calment, que ça soit des garçons ou des filles majeures. Vaut mieux. Et pourtant, hein, ils ont tenté plein de choses. Mais à continuer. Je sais pas, elle doit être conne. Hein. Ah, ben des connes, quoi, ou des cons, hein, je sais pas. C'est ah ben c'est les morts à leur mère, mais aussi aux mecs. Enfin, c'est ah ben ils se sont fusionnés. Hein. Ah, c'est alors bonjour. Hein. Ah ben ça veut dire qu'à chaque fille à maman ou des garçons à maman, ont les deux, comment on dit, les deux familles mortes. Ah ben, de toi et des mecs. Ah ben, ça en fait. Le goût, va bonjour. En plus, aucune émotion. Aucune émotion, aucune empathie. Non, ça me fait défendre. Par contre, quand c'est elles qui sont dans le trou là, qu'elles se font larguer par des mecs ou quoi, là il faut s'inquiéter pour elles, que ce soit des filles ou des nanas. Et en plus, vous voyez le coup tordu qu'elles vous ont fait dans le dos. Oui, t'es. Ah bah. Oui, bah. Ils vont bien s'en occuper. Les ancêtres aux mecs que vous aimez, et les ancêtres aux nanas, si tous morts, évidemment, ils vont bien s'en occuper. Ah, putain, il va bien s'en occuper, hein. Ah, mais pas tendre, hein. Non. Non, pas tendre, hein. Ah non, non, pas tendre, penses-tu? Ah, putain, ah, putain, attendez, ah, alors je sais pas quand, il y a du renfort, hein, qui va arriver, ah oui, du côté des pauvres mamans, ouais, il y a du renfort, hein, qui va arriver, oh putain, alors là, c'est, il y en a une autre qui arrive. Ben, des mamans aux mamans qui arrivent. Des mamans aux mamans vivantes. C'est qui arrive. Du coup, elles vont pourrir la vie, soit de leur petite fille ou de leur petit-fils. Aussi. Mais attendez. Vous allez rigoler. Il va. Ah ben. Il va avoir le père aussi. Ben, du coup, après, hein. Il y aura la maman qui va hanter sa petite fille. Mais il va y avoir aussi le papa à la maman vivante qui va hanter sa petite fille. Ainsi, parce qu'ils vont voir. Ah putain, ça va y chier. Savez comment elles sont les mamans. Hein. Vous savez comment elles sont les mamans. Hein. Ah ben, faut jamais toucher les cheveux de sa fille. Hein. Du coup, elle va griffer sa petite fille ou son petit-fils. Bon, les papas sont moins. Ah ouais, aussi. Oh, pété. Oh, on va chier. Oh, que ce soit des garçons ou des. Ah ben, chier. Oh, elle va chier. Elle va chier dur. Hein. Bref, en tout cas, moi, concernant ces pauvres nanas et mecs, vous allez vous retrouver. Si j'ai une victoire et un accomplissement, malgré toutes les misères qu'on vous a fait, c'est j'ai la victoire et l'accomplissement. Donc ça n'a servi strictement rien du tout. Seulement à faire perdre, je sais pas, ça peut être des jours, des semaines, ou d'autres des années. C'est par cette, je sais pas, obsession. 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 À vouloir se caser avant. Eh ben, dégueulasse quand même. Ah, hein. Dégueulasse.
Ah, du coup, ah, ben non, mais ça va servir à rien. Parce que moi, les morts et là-haut disent que vos princes charmants vont se lancer avec vous. Du coup, vous allez dire oui. Du coup, vous allez. Ah, ben si. Mais c'est de la pure méchanceté. Si. Donc, c'est dégueulasse. Et vous verrez, elles seront pas contentes que ça soit fille ou garçon, elles seront pas contentes pour vous. Ben, se tue. Mais non. Vous le verrez. Mais si, vous verrez. Dégoûté. Donc, c'est bien. Ouais, c'est super. Hein. Vous verrez. Oui. Mais on vous a fait autre chose. Oh, putain. On vous a. Que ça soit fille ou garçon, a pu vous créer des problèmes financiers. C'est intentionnellement. C'est. C'est. Pour pas que vous voyez. C'est ma parole. Voilà. Pensez aussi que si par exemple tu avais beaucoup moins de finances, l'homme que tu aimes ne se mettrait pas avec toi. Et un peu comme elles sont matérialistes. Ah ben ils ont rien à foutre ces mecs. Du coup ils sont pas comme vous. Du coup c'est vous les matérialistes. Quoique avec tout ce que vous avez fait, bon en même temps. Bon, hein, c'est même pas la peine de penser si vous êtes si vous l'êtes ou pas matérialiste. Hein. Bon, des vraies pourritures. Ah ben, ou vos fils, ou un de vos fils, ou une de vos filles. Désolé, hein. Ouais. Alors, plus vos finances se baissaient, plus elles se frottaient les mains. Ah ouais, comme ça, elles se disaient, ah ben, ils vont pas se voir. Bref. Après, j'aurais tendance à dire que c'est à l'homme hein, à venir vers une femme. Hein. Non, et jamais l'inverse, hein, mais bon. Après, selon les cas, bon. Pour moi, c'était des mecs, pour certains. En instance de divorce ou voilà des choses comme ça. C'est dégueulasse. Donc là, j'ai des retrouvailles qui arriveront. C'est. Mais moi, elles me plaisent pas du tout. Non, c'est Nana. Ou ces mecs. C'est pas les mamans. Non, ni les futurs beaux-pères. Non. Oh, non. Non, non, non. Me demande même si n'ont pas essayé de séduire le mec que vous aimez. Le mec que vous aimez, essayez de les séduire pour tout casser entre vous. Oui, je vous le dis. Donc là, putain, ah ben, on va se faire détruire. 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 Ah ben par tous les ancêtres. Là-haut. Ah ben ça. Vous avez créé des emmerdes financières. Dans certains coins en plus. Séduire votre mec. Ouais, séduire votre mec. Que vous aimiez, qui vous aimez. Oh, ah putain, ben là c'est la destruction. Hein? Ah bah bon enfin jalouse envieuse c'est jalouse envieuse de leur mère ou de leur père ah mais c'est jalouse envieuse de leur père ou de leur mère ah si parce que quand tu fais ça quand même hein. Même professionnellement, si, jalouse, envieuse de leur père ou de leur mère. Ah, mais si, même d'où ils vivaient. Oui, ils vivaient, ouais, putain. Alors, imaginez-vous. Mais c'est grave. Et le bon. Ah, mais les morts, on les détruit.
faire retomber de la richesse. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ouais. Alors après, ils pensent qu'ont compris beaucoup de choses. Ouais, mais elles ont fait tellement de mal. Ah putain. Qu'elles aient compris ou qu'elles aient pas compris, elles ont fait énormément de mal ou à leur père ou leur mère. Donc, et que le mal est fait. Le mal est fait. Donc, à moins que tout redevienne comme c'était dans la vie de leur père ou leur mère avant, ils vont les punir. Mais très lourdement. Donc, voilà. Mais c'est. Donc, et c'est tout ou de la faute d'un fils ou de fille. Fils ou fils. Fille ou fils majeur. Elles vont le payer cher. Ah, mais c'est très cher. Il y en a aussi qui ont ouvert leur bouche. Qui sont allés se confier à la pire femme au monde. Qu'il fallait pas. C'est la pire. Ouais. Et que aussi sur certains problèmes qu'elles ont eu, on va dire professionnels, c'est à cause de leur fils ou leur fille. C'est d'ailleurs, ah ben les morts leur en tiennent personnellement responsable. Ah mais c'est. Ah, ouais. Mais en plus, vous a créé des emmerdes dans l'amour. Alors vous dites pas, ah putain. C'est leur faute. Mais bon, ça va s'arranger dans votre vie. C'est. Mais pas grâce à elle. Hein. Ah non, que ce soit des garçons ou des filles. Hein. Alors ça. Ah, grâce à votre obstination. Grâce à votre. Comment dire, votre obstination, votre persévérance, votre endurance naturelle. Grâce aussi à l'univers, aux morts, ouais, à vos morts. Grâce aussi à notre papa à tous, les morts. Grâce aussi, je vous le dis, à votre forte personnalité, fort caractère, qui ne lâche rien. Ce genre de leader de nana. Alors, ça va mettre un peu de temps, mais ça va venir. Donc voilà, ne vous découragez pas. Il y a du bon dans le futur, sentimentalement parlé. Moi, on a fait beaucoup de mal à votre relation. Voilà. Mais ça va s'arranger. Mais bon, pas grâce à leur aide. Ah ben non! Pas grâce à. Soit à une de vos filles ou à un de garçons. Pas grâce à leur aide, mais non. Parce que elle ne souhaite pas en réalité que vous vous remettiez à même avec ce monsieur. Mais non. Même un autre. Mais non. Mais ça va venir quand même. C'est un homme merveilleux. C'est un homme très doux, très gentil, romantique, parfait pour toi, ces nanas-là. C'est un vrai gentleman. C'est comme un peu un prince charmant, tu vois. Vraiment un homme merveilleux, comme on en voit peu. Un homme d'une pureté très rare. Et juste qu'il arrive, le mec parfait pour toi. On te fait ça. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.